Father Most Holy, look upon the blood flowing from your Son's pierced side. Look upon the blood shed by the many victims of hatred, of war, of terrorism, and in your mercy, grant that the course of world events may unfold according to your will, in justice and in peace. We pray that your Church may devote herself with quiet confidence to your service and to the liberation of mankind. You bore the weight of all our sin. Now by your wounds, Lord, we are healed. You bore the weight of all our sin. Now by your wounds, Lord, we are healed. We adore you, O Christ, and we praise you. Je dirais aussi notre souffrance et la violence dans notre région, dans notre pays. C'est en quelque sorte c'est un mystère, cette croix que nous portons depuis des siècles et des siècles. Mais en même temps, la consolation de la foi en Jésus, vainqueur de la mort, vainqueur de la haine. Malgré tout ce qui se passe, voilà, on est encore debout grâce seulement au Seigneur et à notre foi. C'est seulement en regardant Jésus qu'on peut pardonner, qu'on peut essayer de comprendre la violence des êtres humains. Jesus cried out in a loud voice. Eli! Eli! La main s'en va t'y! On vient juste de vivre le chemin de croix sur la place Saint-Pierre. Pour moi, c'était un moment très très fort. Et je voyais vraiment Jésus sur la croix qui est mort pour moi, à cause de mes péchés qui l'ont cloué sur la croix. Et je crois que je suis vraiment rentrée profondément dans le mystère de la passion du Christ mort pour moi, pour me sauver. Et particulièrement sur la croix, voir les gens qui étaient autour de moi et qui priaient, c'était très fort pour moi parce que c'est comme ça une aide pour chacun pour prier puis pour rentrer dans ce mystère de la passion du Christ. Every year we have the privilege and the grace to lead the Stations of the Cross on St. Peter's Square on Good Friday with the students of the Emmanuel School of Mission of Rome. It's a powerful way for us to evangelize, to announce Christ's death and resurrection, hope and salvation for all the world. Because as you may know, here in St. Peter's Square we have many people who are not Christian or coming here just to visit. And so it's a beautiful way for us to spread the good news and to announce in a simple but prayerful way the beauty of salvation and the beauty of hope for all the world. You bore the weight of all our sin. Now